Et ça tout le monde, c'est Azoric Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 406 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien, bah écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup de l'épisode précédent, on explorait la mine d'Ourbriande, à laquelle on... C'était une mine assez longue, hein. Oui, on avait bien mis 20 minutes, et les amis, nous avons la racine devant nous. Donc du coup, ben on va évidemment, voilà. Donc du coup, ben on va évidemment continuer. On, Oh là là, oh boy. Okay. Oh, oh le fils de pute. Ok, donc évidemment le but est aujourd'hui est d'activer au moins cette racine et de possiblement, ben commencer un petit peu nos centres d'intérêt, hein, avec les petites feuilles là comme ça qu'on met là, par exemple là, etc. Donc ça serait le meilleur des mondes. Voilà, ça serait le meilleur des mondes. Et puis voilà. Oh, le coffre est là. Oh, bien représenté le coffre. On va aller le prendre une fois qu'on aura activé la racine. Hop, ça laisse le suspense de savoir ce que c'est. Voilà, l'espace d'un soldat va bientôt se briser. Bon, bah écoutez. Oh, racine Hakim Imeg. Ok, en termes, c'est bien parce qu'on aura récupéré énormément de sonium. On croirait pas comme ça, mais on aura récupéré beaucoup. Hey. Ah voilà, la racine purificatrice illumine les alentours. Eh ben putain, c'est, en effet c'était long comme truc. Voilà. Parfait. Yonobo, j'ai besoin de toi, voilà. Là au moins ça illumine. Là au moins c'est mieux. Alors, sonium supérieur. Vas-y. Tac. Ok, bon bah qu'un sonium. On va essayer de prendre l'autre truc. What the hell, qu'il y a eu un méga bug, ok. Ouais, why not. Alors, excusez-moi, c'est le chien qui aboie que ma mère a fait sortir. Alors, du coup. Ouais, vas-y, descends. Bon, bah... Quand il voudra, hein. Tac. On a 108 sonium supérieur, quand même. Alors, on va aller récupérer le coffre, ne vous inquiétez pas, je veux juste savoir ce qu'il y a là-haut. Enfin, là-haut, au bout, parce qu'il y avait un petit esprit. Ouais, il y a pas mal de petits esprits. Les esprits, c'est important pour obtenir des bombes, etc. Donc, et même des armes comme les bigorons, etc. Donc, voilà, il vaut mieux quand même les récupérer. On en a 1400. Et voilà, parfait. Allez, maintenant, on va pouvoir récupérer notre petit coffre qui contiendra quoi, à votre avis? Peut-être une tenue, on sait pas. Qu'est-ce qu'on va avoir? La tunique du crépuscule, 3 de défense. Cette tunique verte aurait appartenu au héros qui combattit les monstres du crépuscule. Quelques poils de loup y sont accrochés. Ah bah écoutez, ça nous fait une tenue en plus. Bon, bah écoutez, allez, on va s'attaquer du coup au point d'intérêt, donc c'est-à-dire aux mines, etc., etc. Voilà, on va au moins, j'aimerais bien compléter, voyez, cette zone en termes de points d'intérêt, ça peut être bien. Alors on va peut-être pas faire de boss de monstres géants, enfin affronter des boss, c'est pas prévu, voilà, c'est pas prévu dans cet épisode, donc même pas un seul pour vous dire, donc parce que c'est pas prévu. Il y a des moods où j'ai envie, il y a des moods où j'ai pas envie. Là c'est un mood où pour le moment j'ai pas envie, peut-être j'aurai envie pour l'épisode prochain, mais même si je le tourne après, mais bon voilà, pour le moment j'ai envie de me focaliser là-dessus. Donc voilà, si ça vous dérange pas, du coup c'est par là-bas. D'ailleurs je vais faire un truc très intelligent. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Fuck you, ça comme ça. Et puis voilà, comme ça au moins c'est mieux. Ça là-bas. Hop,
comme ça. Voilà, comme ça au moins, ça serait bien de faire au moins ces 4 aujourd'hui, même si bon, ça m'étonnerait. Mais bon, écoutez, on va faire ce qu'on peut, on va faire le mieux qu'on peut. Le but n'est pas non plus de speedrunner, hein, on va prendre notre temps. C'est pas grave, ça devrait durer plusieurs plusieurs fois. Ok, on l'avait déjà fait ce truc. Si ça doit durer plusieurs épisodes, ça prendra plusieurs épisodes, mais voilà. Donc, mine de la vallée Ramol. Ah, il y a un coffre, du coup. Il y a quoi là-dedans? Grand cristal d'énergie sonore. Ce grand cristal est issu du raffinage de sonium par condensation de l'énergie sonore qui voit un mec extraordinaire. Bien. Alors, du coup, là, nous avons du sonium. Nous avons pas mal de sonium. Donc, vas-y. Tac. Voilà, le sonium, c'est important. J'espère que dans le prochain Zelda, ils vont quand même garder un peu la patte un peu sombre. Parce que j'aime bien les Zelda sombres. Vraiment, j'aime bien les Zelda sombres. Ah, au cas où, alors normalement, ce sera pas annoncé, à mon avis, il n'y aura pas le prochain Zelda annoncé. Mais Nintendo, enfin, à l'heure où je vous parle, moi, donc pour vous, ça sera déjà passé. Mais a annoncé déjà la prochaine console que elle sortit, enfin, l'annonce sortirait avant l'année, durant cette année fiscale pour eux. Et on aurait Nintendo Direct en juin, donc pour vous, c'est déjà passé. Mais voilà, donc normalement, j'aurais déjà réagi. J'aurais déjà fait. Oh, il y a un truc malade. Il y a des remasters, alors que Nintendo n'ont pas confirmé, mais que des gens ont parlé qu'il y aurait des remasters qu'on attend. Voilà, qu'on attend beaucoup même. Donc on prie qu'il y a du Zelda. Peut-être on aurait le retour de Zelda. Le retour de Zelda. Are you fucking kidding me? 9? Ready? Oh fuck. Ok, bon bah ça c'est fait. Ensuite, on va directement aller là-bas. On a 3 trucs à faire. Mais voilà, c'est pour vous dire que du coup, voilà, on va avoir une peut-être une fin d'année bien, avec peut-être des bons jeux, si on attend vraiment des remasters. Parce que là, après la période de juin, on ne connaît rien, on ne sait pas ce qu'il y a. À mon avis, on va avoir des choses bah, qui seront non annoncées, donc voilà. Donc évidemment, on prie tous les bons dieux pour que bah, tout se passe bien, quoi. C'est bien ça, ok. Ouais, j'avais vu ça, je me suis dit, mais on dirait le truc de la gorge tragique, mais pas du tout. J'ai eu un petit moment d'hésitation, mais ça va. D'ailleurs, après, pour remonter, enfin, pour remonter par le voilà. Ça sera bien. Les trucs Gerudo, je remarque que par contre, ça fait beaucoup de dégâts, donc je me demande s'il faudrait peut-être pas que je récupère les trucs Gerudo. Bon, ça, à mon avis, ça devrait être éclaté au sol. Alors, ça c'est une sylve normalement. Alors. Oh, attendez, avant la sylve. Tu n'aurais pas des trucs intéressants là? Non, y a rien. Y'a rien de rien. Oh! Ah non, je pensais que c'était une arme. Sylve Octo. Ok. Ah, donc là, il y a bien un coffre. C'est bien pour me rassurer ça. Alors, il y a quoi là-dedans? Grand cristal d'énergie Sonao, ce grand cristal issu du raffinage de sonium par condensation de l'énergie Sonao et qui voit un cristal ordinaire. Ok. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ok, bon, ben on retourne là. Ensuite on va aller là-haut et puis après on ira à droite. Ah bah ça va, on aura le temps aujourd'hui. Je pensais pas qu'on allait enchaîner aussi rapidement sans vouloir, hein. C'est pas fait exprès hein, pourtant, mais le but n'est pas non plus de speedrunner. Mais ouais, je pensais pas qu'on allait pouvoir peut-être tout faire, donc et peut-être même plus, peut-être pouvoir en faire plus. Ah c'est vrai qu'on a les amphithéâtres aussi à faire, mais on a trop de choses, c'est une dinguerie. C'est compliqué quand on a trop de choses à faire. Ok, alors j'ai l'impression que c'est par là-bas. J'ai l'impression que ça sera en bas parce que vous avez vu la colorimétrie de la zone. Je pense que ça sera par là-bas.
Alors, c'est très obscur. Oh, oh, ok, un tour des Aegas. Avec encore des chariots. Le système de chariots. Alors, le truc, c'est qu'ici, on peut un peu glitch. Oh, il a racine. Bah oui, il y a une... on sait qu'il y avait une racine là. Après, pour la racine là, le mieux, ça serait de faire ce truc là autour et de se lancer là. Ouais, c'est plus intelligent. Tac. Alors, tu vois, au milieu. Hé hé. Wow. Hé hé. Comme on a géré. L'atterrissage, ça fait pas très en douceur, mais... Écoutez. Hop. Ah, tout ce qu'on obtient. C'est encore des trucs à récupérer, je dis pas non. Ah, et là-bas, il y a des tonneaux et tout. Parfait. Bon, avant de lire la note et tout, on va quand même aller là. Alors, je vais effacer ça. Et effacer ça. Alors là, il y a quoi là-dedans? Comme d'habitude, on sait ce qu'il y a. Plan d'ensemblage Giga. Cet ouvrage présente le plan d'ensemblage d'un engin élaboré à partir de matériaux de construction et d'artefacts Sonao. Grâce à du Picata, vous devriez pouvoir le reproduire. Le chariot d'assaut. Ok, un nouvel assemblage a été enregistré dans le duplicata. Et évidemment. Évidemment. Grand cristal d'énergie Sonao. Ce grand cristal issu du raffinage du sonium, par contre, dans de l'énergie Sonao, équivaut à 20 cristaux ordinaires. Ok, alors du coup, on va aller là-bas. On fait le tour, le tour, le tour. Et cette zone-là. Comment on fait pour y accéder à cette zone? N'a détecté aucune menace, merci. Windows Defender de me faire la notification maintenant. Oh, oh boy, what the fuck. Mais on fait comment pour accéder à ces zones là? C'est trop labyrinthique. Ah bah ouais, mais ça fait mal. Ta mère. Attendez. Je sais comment on va faire. Non. Allez, regardez la chose intéressante. Ah bah après il y a un ressort, hein, mais bon. Wow, on est intelligent ou on ne l'est pas? Bon, on l'est. Tout ça pour des flèches à la con, quoi. Ah, mais putain, il y avait cette zone-là aussi. Autant pour moi. Par contre, un Mister Boule de Gomme, cet endroit-là. Donc, on va essayer de faire la même chose. Fuck you. Hé hé. Putain, c'est bon, on a trouvé la technique. Oh fuck. Ok. Allez hop. Voilà, des flèches. Alors. On pouvait y aller par là, quoi. Oh boy. Alors du coup, en extrayant des cristaux d'énergie Sonao, nous sommes tombés sur une pièce d'équipement inconnue. Nous l'avons bêtement oubliée sur place, mais nous avons reçu l'ordre de la conserver précieusement si nous la retrouvons. Et d'ailleurs, quelque chose me dit que d'autres découvertes similaires nous attendent encore. Gloire au grand Koga. Bon. Ok. Donc il ne manquera plus que ce côté-là. Bah en fait, ce côté-là, on peut y aller grâce à ce côté-là en fait. Ouais, on y va. Ça sera beaucoup mieux. Alors, du coup, là-bas. Ah, là, il me semble que ça, on l'avait pris pour savoir où ça nous amenait. Et du coup, il ne manquera plus que le truc des IGA, certainement encore. C'est là-bas au fond. À fonction du temps que ça nous prend, je pense qu'on ira mettre à jour nos batteries. Si cela ne vous dérange pas. Et même si cela vous dérange, si vous n'avez pas le choix, hein, de toute façon. Eh ouais, je suis désolé, mais vous n'avez pas le choix, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça.
très plat comme zone. C'est là-bas. À l'attaque. Attends, vas-y, on va lui voler. Babi, 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 babi. Oh, Steve, toi, please, no way, je peux pas. Vas-y, vas-y. Oh oui. Cher. Et on tourne. On tourne et on abaisse. Bien. Allez, no way. Oh boy. Oh boy. Il est parti dans les abîmes, là. Merci. Oh. Oh, tous les rubis. Ouh là 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 là, évidemment. Ça fait que plaisir. On tourne, 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 tourne. Et toi, on te finit. Attendez, on va l'accoster. À l'attaque. Tu peux plus bouger. Voilà. Bon, on n'aura pas le temps finalement, mais en tout cas. Tac. Oh oh. Oh boy. Ok, donc là-bas, il y a des choses. On va faire le tour. Tourne. Tourne. Oh boy. Merci. Allez. Oh. La flèche. On en a tellement besoin, donc. Donc les flèches, évidemment, on les prend. Ben c'est pour ça qu'on s'emmerde pour buter, pour baiser tout ici là, les tout ce qui est ressources. Hein. Parce que les flèches, ça part comme une lettre à la poste. Hein. On en a 652, c'est très bien. Mais vaut mieux toujours en avoir plus. En avoir plus, c'est toujours la vie. Ok. Alors, là-bas, j'avais vu quelque chose aussi, donc on va faire le tour. On va faire tranquillement le tour. Ah oui, c'est vrai que normalement, ce côté-là, voilà, là-bas, il y avait un Litorog, mais je sais plus si on l'avait affronté. Ah, là-bas, il y a des choses, vous avez vu. Et après, bah, s'il n'y a rien, on ira ici. À la plateforme centrale. Ah, d'accord, c'est juste pour... Ah, parce qu'il y a quand même... Look. Ok. Ah, what the fuck, man? Thank you. Alors, bon, ce sera pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Wow. Allez, 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 atterrir là-dessus, atterrir là-dessus. Parfait. Ça, on récupère le grand esprit. On peut descendre tranquillement. Ok, après, bah, le reste sera là. Je crois que nos recherches dans cette région touchent à leur fin. Nous pensons qu'au début, que tout comme en surface, nous avions énormément de place. Mais à force de nous éloigner, nous sommes tombés sur des murs. Cet espace n'est donc pas infini. Au contraire, il y a des limites physiques. Poursuivons ainsi nos recherches dans chaque région et nous réaliserons le désir le plus cher du grand Koga. Wouah, gros gang, gros gars. Bon, bah, ok. Vous êtes bien motivé, hein. Donc, avant de récupérer ça, voilà. Ça, je l'avais vu tout à l'heure. Voilà, banane lame, ok. S'il y a des flèches, ça serait bien. Oh, what the fuck. Ah, il n'y a même pas de flèches, d'accord. On en a récupéré quelques-unes, mais bon, c'est pas fou, quoi. Allez, donc là-dedans, il y a évidemment notre chair. Plan d'assemblage, Iga. Cet ouvrage présente le plan d'assemblage d'un engin élaboré à partir de matériaux de construction et d'artefacts Onao. Grâce à duplicata, vous devriez pouvoir le reproduire. Le radeau avec éclairage. Un nouvel assemblage a été enregistré dans le duplicata. Et là-dedans. Grand cristal d'énergie Sonao, ce grand cristal issu du raffinage du sonium par contre de la de l'énergie Sonao qui voit un cristal ordinaire.
Bien, bah écoutez, du coup, alors on est à combien? On est à 43 de noix Korogu. Alors, je pense qu'on va essayer des. Bah, vous savez quoi, dans l'épisode prochain, on continuera notre aventure. Alors, je pense que du coup, on fera les points. Alors, on a encore plein de points d'intérêt qu'on a notés, hein, vous avez vu. Alors, on a noté ça, on a noté. Bon, ça, c'est normal. On a noté une sylve là, enfin, ou un nom, c'est un truc qui. Il gasse, à mon avis. Donc, ouais, on a encore plein de choses à faire. On a, voilà, on a un truc là. Mais bon, on fera ça en temps et en heure. Hein. On fait ça petit à petit, hein, si ça ne vous dérange pas. Voilà, parce que bah, du coup, on a, voilà, on a noté vraiment pas mal de choses. Bon, et après, il y a des fois où c'est des boss. Mais ça, à mon avis, c'est un truc qui permet de remonter à la surface. Mais bon, voilà, on fait petit à petit. Je pense que dans l'épisode prochain, on partira à la surface. Réaliser, du coup, quelques noix Korogu. Voilà, donc là, par exemple, on en a noté une là aussi. Donc, ça serait bien de faire, par exemple, les noix Korogu qui est là. Voilà, de continuer un petit peu nos petits bonhommes de chemin. Hein. De toute façon, notre épisode un peu farming, entre guillemets, hein, notre épisode chill. Voilà, et du coup, bah, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Par contre, du coup, voilà, ça sera mieux.